Et voilà, j'attaque Valtred. Chemin de Valtred, plateau de Valtred. Bon, puis tout le reste, photo, vidéo, vous avez déjà vu. C'était une belle balade dans un coin que je connaissais pas, surtout. Et la table où je m'arrête d'habitude, là-bas, sous l'arbre. Et la voiture, ça fait 15 jours qu'elle est là. Je me demande s'il n'y a pas des gens qui habitent dedans. Voilà, Valtred, plateau de Valtred, droit devant. Sur le plateau, là on peut continuer le chemin de Valtred. Moi je vais monter plutôt sur la crête là-haut, parce qu'il y a une jolie descente, enfin, une jolie, c'est une piste. Hein. Société de chasse de la Macreuse, un four, ça on dirait un wagon, un ancien wagon. J'ai pris une photo avec le flash parce que là on voit rien évidemment. Je sais pas, non, un bus peut-être, ouais, un ancien bus. Oui, un bus avec la cabine là-bas. Ah ouais, c'est un bus. Enfin, c'est un bus. C'était un bus. Avec des espèces de fenêtres. Ah, c'est un tôle. Je pense que c'est... Quoique, il n'y a pas d'avant. C'est juste une casemate militaire, je sais pas. Voilà, moi je rentre par là-bas en face. Voilà, je suis sur la crête. Parfois je prends la crête de gauche, là c'est la crête de droite. Là-bas au fond, si je vire à droite, je descends directement sur Châteauneuf, le spot très très raide. Mais je vais prendre la gauche pour attraper Valtred, le bas. Le vallon du trou du loup, ça s'appelle. C'est là que je vais déboucher. Bon, c'est fini pour les vidéos. Hein. Voilà, bon week-end. Voilà, je vais arriver à la fin de mon parcours avant Martigues. J'arrive au petit col pour la descente sur Martigues. Là. Le câble, il est fermé aujourd'hui. Regardez le câble là. Voilà, descente sur Martigues. Martigues, c'est juste droit devant. Là. Voilà, fin de la balade, la chapelle.